autre chose, c'est Diams qui s'est converti et marié. Paris Match publie des clichés de la chanteuse voilée. Selon le magazine, Diams aurait choisi la religion pour trouver la paix intérieure. Frédéric de la Nouvelle, Philippe Dufresne et David Bouteillet. Le poids des mots de son nouvel album est à l'image du choc de la photo. Une Diams au look exactement contraire à celui qu'elle avait encore en 2008 aux Victoires de la Musique. Un changement radical qui peut surprendre. C'est très triste de la voir ainsi transmettre un message à une génération qui attendait pourtant d'elle de parler d'égalité entre les hommes et les femmes. Elle s'était engagée justement sur l'égalité entre les filles et les garçons. Le choix religieux de la chanteuse serait l'aboutissement d'une longue réflexion. Après un passage à vide, une période de doute durant laquelle elle accepte mal son statut de star. Doutes exprimés sur son prochain album, SOS. C'est une bouteille à la mer qui sert d'ailleurs d'invitation à l'écoute du CD pour les journalistes. Le premier single, Enfant du désert, donne le ton. Pour l'heure, la maison de disques de la chanteuse se refuse à tout commentaire et évoque une affaire d'ordre privé.